Ce que nous organisons sur le terrain, que nous appelons les dialogues communautaires. Les dialogues communautaires sont généralement les communautés, les leaders que nous rassemblons. Et entre eux, on échange par rapport à une thématique ou des thématiques. Les thématiques du programme sont celles-ci. C'est effectivement la lutte contre l'excision, la lutte contre le malade précoce, la fistule. C'est en fait les trois thématiques et naturellement aussi la planification. C'est les thématiques sur lesquelles nous travaillons, c'est les thématiques que nous donnons au dialogue communautaire pour échanger par rapport à, pour connaître leurs points de vue. C'est dans le domaine de sensibilisation en ce qui concerne les filles, les mariages précoces, les mariages forcés. Nous avons eu à travailler aussi sur l'excision des jeunes filles. Nous avons eu à travailler avec les leaders religieux, surtout la dernière séance, la dernière activité que nous avons menée ici, dont je n'oublierai pas, c'est avec les religieux, les imams. Sans oublier un volet très important, la maladie honteuse. Nous avons des jeunes femmes, et bien alors, qui ont les fistules, mais qui pensent toujours que c'est un sort qu'un ennemi a réservé. Ils ont parlé de l'excision. Ils nous ont demandé. Ce qu'ils ont demandé, bon, il y a les gens qui ont reconnu que la constitution là, il faut qu'on laisse. Parce qu'il y a beaucoup de dégâts, il y a beaucoup d'inconvénients, il y a beaucoup de dégâts quoi. Parce que ça touche à la fille, ça lui blesse. Elle sera aussi malade. Tout ça, si les hommes n'ont pas compris ça, ou bien la famille n'a pas compris ça, ça va faire des dégâts avec la fille. Donc bon, quant à la religion musulmane, ce que le prophète a dit, il faut qu'on enlève un peu. D'accord, c'est cette question, et de laisser les partir. Bon, ici c'est le coutume qu'on avait. Donc si ça donne une mauvaise qualité à la fille ou bien à l'enfant, donc c'est que c'est nécessaire, il vaut mieux de laisser. Ma musu de bita ta yoro chaman na du chaman na ita koro ni bankasi nunu ne ma musu bita ne de fi ne dem sen ma abin ba mu kata na one re santan wor ne yandan ne mara ni banka si mara fatoma mara ani kunari mara basiro mara sheware ni moti bayara mara nya anya beke ichama ke
démarrement Mali nana en fait kana réunion sigi ané ko kuma fo ko anga dabla may ayi na sien dama ko ni maté fu ulu yere ya nita kana naye ni moko chama yi be bana batori de ne ko sel si kam ne ro kam ni adabla ulu de kam ah sans ça ba ambi formation kon ke formation koni wati do koni be kalu le sinet la ulu ke tem sen furu joana ani ne ko ro si yo do fo ani nya sora mai nya ni fa wala mai on mobilise les jeunes, on les réunit, on fait une animation, on leur donne des vidéos, des photos, on les montre et puis on les dirige. Face à eux, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui savent ce qui veut dire difficile et puis se protègent. Ils nous aident aussi dans les planifications, les mariages précoces. Donc, le seul appel que j'ai, c'est de continuer à collaborer à Benjangara avec les jeunes. Nous sommes en train de tout faire pour l'abandon total sur l'excision. Parce que nous avons vu avec Yamani Mali, concernant la maladie la plus grave chez la femme, ce qu'on appelle la fistule, que Yamani Mali a couvert plus de 40 personnes dans notre commune et précisément dans notre village, Fatouma, avec des soins gratuits. Parce que c'était des personnes qui étaient carrément jetées hors de la population. Mais Dieu faisant les choses, avec l'arrivée de Yamani Mali, il y a eu beaucoup, beaucoup de chants. Et les gens, actuellement, moi, ils ne me consultent plus. Ils vont directement voir aux chaises de Yamani Mali pour leurs propres soins. Au nom du village de Fatouma, au nom des conseillers de village, et nom de toute la population, surtout les femmes, les jeunes, nous voulons coûte que coûte que ces partenaires puissent appuyer Yamani Mali de tous côtés pour que cette sale maladie puisse quitter dans ce pays, la fistule, mais qui est à la base de l'excision. Donc pour que l'excision aussi puisse vraiment carrément être abandonné. Nous aimons que le Mali et ses partenaires, pas seulement Yamani, mais quiconque œuvre dans ce travail, vraiment nous les exhortons à nous aider pour que vraiment aider Yamani Mali aussi pour pouvoir vraiment ce qu'ils cherchent pour pouvoir réussir.